Cette semaine, c'est la rentrée scolaire. Ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Je me suis dit que j'en ferais un. C'est pas mal ça. Bouh! Trois affaires qui m'énervent de la rentrée scolaire. Premièrement, les pubs en juillet. Ok, début août, fin juillet. Pour te dire d'acheter du matériel scolaire pis du linge pour l'année scolaire. Le linge, le maquillage pour les filles, tu sais, comme notre apparence, puis le magasinage de la rentrée. Premièrement, les pubs, les publicités, pour nous dire les pubs. Des publicités pour nous dire qu'il faut qu'on achète du matériel scolaire pour on est en début août. Puis l'école, il reste un mois l'été, là, tu sais. L'école a commencé dans un mois, là. Faut qu'on achète. Faut qu'on aille à le magasin, eux autres, là. Ils ont des prix plus bas que jamais, eux autres, là. Comme si c'était nouveau, la rentrée scolaire, là. Comme si ça faisait 50 ans qu'on n'a pas été école, là. Puis ça fait. Ça fait 50 ans qu'ils n'ont pas eu ces petits. Des prix de même, là. Ah. C'est pas de bon sens, là. Moi, je suis plus capable. T'es là, dans ton couch, à 4h30, tu viens de te lever, journée bien normale, pis c'est ça que tu vois. Ah! Ah, vous êtes là. Bonjour, je me nomme Gaston. Vous savez autant que moi que l'école n'arrive grand pas. Préparez-vous. Nous avons des plus bas prix que jamais. Venez dans le magasin, chercher du matériel scolaire, des vêtements pour l'année scolaire. Nous sommes les meilleurs au Canada! Évidemment, nous autres, on a toute la même réaction. Nia! L'été est pas fini! J'irai pas à l'école! C'est pas vrai, ça, non! J'ai pas grand chose à dire sur le linge. Sur le linge pour les vêtements scolaires. Mais il y a deux personnes qui peuvent pas trouver l'entremilieu. Il y a ceux-là, il faut que ça lui coûte absolument 600$ juste pour leur linge. C'est ça, c'est souvent les filles, là. Puis, il y a ceux-là qui s'habillent. Mais pas assez, si vous comprenez. La première personne, là, c'est là qu'il faut que ça coûte 600$. Pour vous comprenez. La première personne, là, c'est là qu'il faut que ça coûte 600$. Je trouve que c'est juste une dépense d'argent inutile. Parce que tu payes 600$ comme que tu pourrais payer 300. Ça, c'est la moitié. Puis avoir autant du beau linge. Ça, je trouve ça juste innocent. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Puis l'autre, c'est ceux-là qui s'habillent comme des putes, qu'on dit. Là. On dirait qu'ils sont comme. Des petits chandelles de rien, là, pis c'est comme juste dégueulasse, des fois, là, c'est juste comme. Arrêtez ça, là. Il y a deux choses qui me tapent. C'est nerfs pour le magasinage de linge. Ça a rapport avec ma mère, les deux, là, mais. Dis pas, ok? Je l'aime, ma mère. Dis pas. T'arrives là, à te trouver une paire de culottes, pis c'est laid à chier, excusez-moi. Il y avait comme. Ah, God, comment c'est beau, nanani! Maman, non. Finalement, c'était juste un affaire qui me tape, là. Je l'ai comme oublié. Finalement, un petit spécial, Pamela, elle va être dans les vidéos. Elle voulait vous faire un tutoriel de maquillage pour la rentrée scolaire à vous, les filles, qui ne savez pas comment vous maquiller pour aller à l'école. Allô tout le monde! J'ai pas coupé mes cheveux. Je sais pas si vous avez remarqué. En tout cas, puis aujourd'hui, ben. Je vais faire un tutoriel. Comment faire son propre maquillage pour aller à l'école. C'est ça. Bon, le premier produit qu'on met, c'est de l'hydratant. Puis hydra, en espagnol, ça veut dire sourcil. Fait que tu prends ça. T'en prends, pis t'en mets sur tes sourcils, de même, ça paraît pas. Pis tu peux mettre ça, de plus. Ah! Tu peux mettre ça sur ton nez tout, pis en dessous du nez. Comme ça. Ça fait reluire la peau, pis c'est vraiment beau. Après ça, pour que ça ressèche, tu prends le deuxième produit
C'est du... Ça s'appelle du plus absorbant. Puis... Tu mets ça dans ton visage. Toi, ça ressèche la peau. T'en mets dans ta main, là, pis fait... Puis t'en mets... Ou tu peux prendre directement, directement. Bon. Là, ça redresse, ça ressèche la peau. Comme ça. Je pense que c'est bon. Puis après ça, c'est le dernier produit. C'est la poudre. Je sais pas comment ça s'ouvre, mais on va en mettre. Ah! Tiens. Là, tu prends le petit peigne. Tu le portes dedans, puis tu mets ça partout. Tu peux placer la peau du tout. Tu peux mettre dans le cou, parce que là, sinon, ça va tout paraître la ligne ici, là. Puis t'en mets partout, partout, partout. Puis c'est sorcier. Ça, c'est la première étape pour le maquillage. Merci d'avoir écouté. Pas de hate, s'il vous plaît. Moi, je fais ça parce que j'aime ça, puis... Salut! Bref, merci énormément d'avoir regardé la vidéo. Excusez-moi pour les bugs. Si j'ai une application qui est compliquée. Puis, faut tout le temps que je fasse des transferts de photos. Puis là, c'est des vidéos. Là, c'est compliqué. Puis ça bug tout le temps. En tout cas, j'espère que vous l'avez aimé. J'ai mis beaucoup d'efforts là-dedans. Puis, s'il vous plaît, vous savez pas comment ça m'aide de partager la vidéo ou juste de liker. S'il vous plaît, faites ça pour moi. N'oubliez pas de vous abonner. S'il vous plaît, abonnez-vous. Merci. Bye bye.